Bonjour et bienvenue sur genericlock.fr. Cette vidéo aujourd'hui sera pour parler du mini Nautilus et de son grand frère, le Nautilus de chez Aspire. D'accord, tu peux nous dire quoi sur le Nautilus ? Alors, mini Nautilus, attention, vidéo exceptionnelle, ça c'est quand même un de nos bébés préférés. Beaucoup de gens de notre équipe vapent là-dessus, le mini Nautilus ainsi que son grand frère, c'est les mêmes, hein. Le gros Nautilus est juste plus gros. Ils sont quand même spécifiques pour vapoter du tabac, de température tiède, grosse contenance. C'est un clairo qui est vraiment idéal pour être mis sur une box, sur une grosse batterie 1650, sur ce genre d'accord, de choses. D'accord, ça serait plutôt pour quel style de vapoteur ? C'est idéal pour les gens qui démarre le vapotage. Non pas que ce soit un produit de démarrage d'entrée de gamme, pas du tout. Hein. C'est un très haut de gamme, mais parce qu'il est très puissant en termes de vapeur développée. Et parce que avec un bon liquide, moi par exemple je vapote du Tribeca dessus, avec un bon liquide tabac, vous pouvez vraiment avoir les sensations d'une vraie cigarette, une fumée dense, une température idéale. Voilà, c'est un bon produit. D'accord. Et au niveau des détails, tu as des choses à nous dire ? Détails techniques. Dans la boîte, il est livré avec une résistance d'avance, une petite bague d'adaptation quand il est mis sur des batteries standards, des batteries EGO. La résistance, elle, peut être ou en 1,6 ou en 1,8. Et que vous dire de plus ? Non, je crois que ce sera tout pour les détails techniques, c'est jamais qu'un clairo. La bague Airflow fonctionne très bien, il y a des crans dessus, ça c'est agréable, c'est sympa. Les résistances doivent absolument être amorcées, c'est-à-dire que quand vous démarrez une nouvelle résistance sur un Nautilus ou un Nautilus, pensez à mettre quelques gouttes directement à l'intérieur de la résistance ici pour l'amorcer absolument, sinon votre résistance ne va pas durer très longtemps, vous risquez d'avoir un goût de cramé qui sera désagréable. Voilà, donc ça c'est vraiment un produit qu'on conseille chez nous, c'est le premier des clairos qu'on conseille chez nous pour ceux qui veulent arrêter de fumer, des ex-gros fumeurs qui veulent un truc qui tienne en route. D'accord. Et je vois des accessoires autrement. Oui, effectivement. Alors, ce qui est génial aussi avec ça, c'est que comme on a dans le produit, on a pris également la gamme des accessoires pour personnaliser votre clairo. Vous avez des petites grille, des verres de rechange. Si vous voulez transformer votre clairo avec un verre de rechange métal, éventuellement, ou avec ce qu'on appelle une grille assis, qui va être une déco un peu sympa. Ça peut faire un bel objet, une fois fini. Petit budget également. Merci beaucoup et à bientôt sur genericlock.fr.